Avant d'entamer cette partie, bon, en fait, j'aimais carrément les codes ici pour qu'on passe une fois pour toutes. L'objectif, c'est quoi? Si celui qui a saisi ici, il n'est pas administrateur, les deux boutons ici ne seront pas affichés. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas le droit de publier. Si on clique sur publier, l'histoire va passer directement sur notre site. Et tout le monde qui passe sur le site peut voir l'article. Mais si il annule la publication pour que ça ne passe plus là-bas. Voilà, c'est cette opération qu'on va essayer de faire maintenant. Juste la modification. Et voilà, on ajoute encore une variable, la date de la publication. Bon, j'appelle même varchar et là je peux mettre 16. J'enregistre. Voilà cette date de la publication, c'est celle qui sera intéressée ici dans notre édit article. Vous voyez ici, quand on clique sur publier, on va appeler publier.php. Publier.php, qu'est-ce qu'il y a? Et on passe à visible, à la visibilité, la variable 1 pour que ça fasse sur les sites. Et puis, on modifie toutes ces variables-là. Et si on clique sur annuler publication, on va passer la variable et la valeur 0 à la visibilité. Et sur le site, on va déclarer ce qui va s'afficher, c'est ce qui aura comme visibilité 0. Et on va essayer carrément cette histoire sur le site. Nous sommes là et nous prenons l'article ici, nous modifions juste les liens, on enregistre. Et puis quand on parle d'en modifier, on dit publier. Voulez-vous publier? Oui, vous voyez ici ça doit prendre un à ce niveau là et annuler la publication. Voilà, ici ça doit prendre 0. L'état de la publication, ça doit prendre 0. Et j'aurais préféré qu'on ajoute aussi le mail de la personne qui a publié ici. À l'intérieur, cependant, nous allons dans la structure. On ajoute là-bas mail de la personne qui va publier. Voilà, j'ai mis 150 par défaut. J'enregistre. Voilà. Et on va essayer de faire l'opération pour voir ce que ça va faire. Publier. Voilà. On passe un là-bas. Si on revient encore là-bas pour dire annuler la publication, voulez-vous annuler? Et on passe 0. Donc là, on a fini complètement tout ce qu'on devait faire avec l'article. Tout ce qu'on devait faire avec l'article. Maintenant, ce qui va rester, c'est juste au niveau du site index là pour voir comment on peut afficher les articles qui ont comme état de publication 1 et ceux qui n'ont pas état de publication 1 seront écartés. La suppression, on a vu, la modification, on a vu, tout va très très bien. Et là, les utilisateurs, autres, tout ça, ce qui va rester à faire, c'est juste d'ajouter une page d'accueil là.